initiative bu rafet la bu ñu rafetlu Sénégal ëlëk xalé ñoko mom bon képp ku bëgg tawax Sénégal da ngay jël un pari sur la jeunesse jël un pari sur la jeunesse moy nga jël xalé yi wolu len xamné réew mi ñom ñolako denk motax ñun ministère de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire dañ gëm na émergence au Sénégal likoy porter moy ay gox yu dëgër yo xamantene ñafa nek dañ koy sam dans une compétition saine loolu lañu wax des pôles territoire porteur de développement dans une compétitivité territoriale mangi tur Ibrahima Sow mangi dëkk ri 35 angle 24 Medina mangi am 11 ans ak petit pelle 2015 TFM Diom Après le 2015, c'est la TFM Diom. Salam alaikum. Je suis Eladj Malik Mbaye. Nous sommes ici au terrain de Colobane pour sélection Petit Pelé. Salam alaikum. Je suis Moussa Cizé. Réponse, nous sommes ici au Touro Grand Moussa. Et que vous jeune au Colobane face pour une femme. Je suis de Bougounta 6, j'ai 12 ans. J'habite à HLM 1. Sans poste, milieu récupérateur. Je suis 13 ans, je suis de Angle Mousse. À Petit Pelé 2015, je suis Mamadou Sarr, coordinateur Petit Pelé 2015 à HLM Grand Dakar, Niar Thiali, Anne-Marie. Parce qu'au début, il fallait informer les écoles de foot là, pour qu'ils aient ce meilleur joueur à partir de la fin basée pour mon camp. Je m'appelle Mohamed Abdouaziz, j'habite à Liberté 6, j'ai 12 ans, je veux être meilleur joueur de Petit Pelé 2015. Zabi Abal Pierre Mendy, international sénégalais. Ce qui est bon, c'est une initiative que j'ai vu, qui est bon, qui à la base. Je suis ici, je suis Mohamed, pour participer ici au tournoi Petit Pelé. Je suis Christian Mankabo, je représente la région Pripoli. Au milieu de la CAP, je suis Djepol, Babab, Karak, Libéré 4, Libéré 5, Libéré 6. À Petit Pelé 2015 sur la TFM du Yom. Le 8 août prochain démarre la première édition du Petit Pelé à la Sandour. Il nous exprime un peu ses attentes par rapport à ce tournoi qui réunit des jeunes âgés de 9 à 13 ans et commence déjà à distiller des conseils pour une belle réussite de cette compétition. Les motivations, je pense d'abord le plaisir déjà de parler de football, le plaisir déjà de voir des enfants, des jeunes prodiges qui aspirent faire carrière, qui aspirent jouer au football, ça c'est déjà une de mes motivations. Aussi regarder le football local dont j'y suis issu depuis le début de ma carrière. Et ça donne aussi l'opportunité de donner des conseils, d'orienter les joueurs, de les montrer un peu notre expérience qu'on a eue à
à avoir pendant toute notre carrière. Je dirais qu'il n'y a pas meilleure plateforme. Hein. Donc aujourd'hui, ce tournoi-là, on démarre sur une base de football local, mais aspire franchir les frontières dans les années qui suivent. Aujourd'hui, de donner cette opportunité-là à ces jeunes, déjà pendant un mois, de parler football, mm-hmm. autre chose. Ça, c'est intéressant pour les parents aussi, de savoir que les jeunes sont quelque part en train de jouer au foot pendant les vacances. Voilà, donc ça, c'est une motivation. Et nous, derrière, anciens joueurs qui ont posé ce regard d'agent ou bien ce regard de scouts, comme on dit ça, de recruteurs, ça peut nous donner aussi d'autres idées pour voir des jeunes prodiges, pour dénicher des jeunes pousses qui pourront éventuellement intégrer des clubs professionnels. Les premiers conseils d'Alassane? Ben, c'est l'initiation du foot. Il faut se coucher tôt, il faut bien manger. Et puis voilà, il peut arriver à l'heure. Parce que je pense que ça, c'est très important. Donc, on ne va pas dire heure sénégalaise, on va dire heure normale. Donc quand on leur dit d'arriver à 8h, ils arrivent à 8h. Ils vont se préparer en conséquence et puis qu'ils écoutent les entraîneurs. Je suis un matardé. J'ai 11 ans, j'ai une cité sauvée. J'ai un jeune militaire. Je suis venu avec mes 8h pour le 2015. Après du poil 2015, c'est la PSM du Yom. Je suis tout Amadou Diop, encadré de football. Je suis à TFM, organisation, coordination de parcelle, Cameroun. Grand Mirin, Padoua, Grand Yoff, secteur bi yaatu la comme nous devons commencer, ñun suñu objectif moy jël ko rek. J'ai 12 ans. Je veux une zone pour qu'une guédé va être tournée à Petit Palais. Je suis Elhadj Ndiarka Diagne, directeur technique départemental de Guédé. L'initiative de TFMB, nous l'avons accueillie. Madame, nous avons fait une toute contribution par rapport à ce que nous au Sénégal. Nous voulons travailler dans cette catégorie pour assurer la relève. Je suis supporter de la zone Bikin Guédiaway. Je suis responsable des enfants de Gungun Ndiarka Diagne et Elhadj Ndiarka Diagne, son président, dans le travail de la MET. Mais nous, Bikin Guédiaway, nous sommes à Dakar, nous sommes à Dakar parce que nous sommes à Dakar. Bonjour, je suis tout Tcherno Elimandir. Je suis 12 ans et demi. Je suis le meilleur joueur tournoi Petit Palais 2015. Petit Palais 2015 à TFM Dara du Yom. Si vous avez un homme, vous avez une plage, vous avez un homme qui est en train de faire des choses. Vous avez le tournoi va faire une occupation pour les boys. Ses parents vont avoir un peu de tournoi à Petit Palais. Je suis toujours Dame Diop, de HLM Refisque. J'ai 12 ans. J'ai attaquant. Je veux être le meilleur buteur Petit Palais 2015. Je suis Adrama Edro Gueye. Je suis coordinateur Petit Palais pour regrouper le département de l'Office avec banlieue, Sangalkam, Sebi, Diamniadio, Darni, Bangalore, Kermassar.
On a reçu pas mal de coups de fil avec l'implication des écoles de football du département. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à l'occasion du tirage au sort de votre tournoi, le Petit Pelé. Les présélections ont attiré des centaines et des centaines de jeunes, ce qui montre l'engouement justement des enfants autour du football. Et TFM, en partenariat avec Sénégal Surround Sound, vous propose ce concept durant ces vacances. Alors, je vous rappelle évidemment que 8 équipes doivent s'affronter en phase élimination directe des matchs aller-retour, qui commence donc à partir des quarts de finale. Et puis, vous le savez, les enfants doivent être âgés entre 9 et 13 ans. En plus, vous l'avez vu, Alassane Dour, des anciens internationaux ont accepté d'être des entraîneurs symboliques de chaque équipe. Raison pour laquelle vous allez voir autour de moi Mamoudou Diallo et Cheikh Sidiba, qui aujourd'hui avec moi vont procéder au tirage au sort des quarts de finale. Alors, Cheikh Sidi, nous les nuyons. Je suis Mamoudou Diallo. Donc 8 équipes yi ñi ngi ni défal nañ leen ko ci biir lekket fokk na du yag tirage au sort bi ñu tambali ko. Donc dañuy commencer par Cheikh Sidi, mom déjà mu jël équipe bu ñëk bi nga xamné donc moy génn ci tirage au sort bi. Zone 4, Sikaf Sapeke, Mermoz Djeppel. Mamoudou Diallo, ñu bayiko mom mu wax ñu ñi nga xamné ñoy Sikap Sacré-Cœur ñan lañu wara dajel. Alors li ci doy war moy ni Sikap Sacré-Cœur Djeppel Mermoz Cheikh Sidi moy équipe bi nga xamné yow yaay doon entraîneur am mo nga ñëk gënné. Donc Mamoudou, bismillah. Zone 5, Parcelle Supreme, Grayof, Yof, Padoua. Donc mom ak zone 4 ñoo nara dajé. Continuer légui ñu jël deuxième match bi. Zone 2. Cheikh Sidi. Zone 8. Cheikh Sidi, on va vous laisser aussi nous prendre la prochaine équipe. Zone 7. Wakam Ngorio Foua. Ah, Kokunak, c'est l'équipe de Mamoudou Diallo. Kokunak, Kalay Dajel, Mamoudou. C'est l'équipe de Kalay Dajel, lol nak fimne mom lañu wara djema xam. Donc, nous allons nga tirer ko. Zone 1, comme notre plateau là. Plateau. Ah, Goré. Goré. Medina. Medina. Geltapé. Comme on a déjà 3 matchs, donc match de Moudjibi, Mamoudou. Zone 6. Pikine Guédiawaï. Donc Pikine Guédiawaï. Zone 3. HLM. Grand Dakar usine Niari Tali Mariste. Ñoo ko gissando giss nañu tirage au sort bi nga xamné def nañu ko 4 matchs yi donc pour rappel ni le teudé zone Sikap Sacré-Cœur mo wara dajé ak zone bi nga xamné moy zone 5 Parcelle Assini Supreme Grand Yor Padoua. Zone 2 wara dajé ak zone 8, zone 2 nak buñ ko waxé moy zone A, zone B, zone 8 Rufisk Barni Sangalkam. Troisième match bi zone 7 la Wakam Ngor Yof contre donc zone 1, zone 1 nak bu mako bamtu waté moy Plateau Goré Medina Geltapé. Match bu mujj bi nak di match zone 6 Pikine Guédiawaï vs donc zone 3 manam HLM Grand Dakar usine Niar Italy. Mamoudou ak Cheikh Sidi ñu ngi leen di jajeufel di fateli nak juste en tout cas c'est pas fateli mais joxe information ne que comme yow Mamoudou ak Cheikh Sidi ni ngeen nangone amna yenen anciens internationaux donc Mamoudou Wakam Ngor yo foar la. Ki nga xamné nak moy Amadou Diop Boy Bandi mom moy zone 2 Plateau Medina Geltapé Goré. Zone 3 nak moy Pape Niokhor Fall Rufisk Barni Sangalkam.
zone 4 bi di Tassirou Diallo Pikine Guédiaway, zone 5 HLM Grand Dakar usine Niari Tali Mariste Lamine Boupe moy sen entraîneur, zone 6 parcelle Soprime Grand Yoff Padoua Grand Médine Kylen Diel moy Pape Sirédia ak nak ki nga xamné moy Cheikh Sidiba nek entraîneur Sikap Sacré-Cœur Dieppel Mermoz. Alors Cheikh Sidi, peut-être pour dire le correct, yow lan nga nara soñ say xalé? Donc dama len wax ni que pour ñi ñëw de ci sen souf la fay rek et que bu ñu faté ni que je le d'abord le fair play d'abord ay xalé lañu ñu jittal fair play ba nopi que dalen préparé da parce que je suis tout en bois pas bon. Wax ñu un petit sa xalat voilà tournoi bi aussi ak xalé yi nga nara yor ci lan nga len nara soñ? Non, d'abord, je suis comme Cheikh Li Mokhe parce que déjà le football est un des Khalid. Parce que je suis un peu plus de terrain de football, j'ai l'équipe nationale. Donc, le football est un peu plus de temps pour communiquer sur le bar. Donc, je pense que c'est un peu plus de temps aussi. Donc, je suis un meilleur jeune, Wakan, Ngoriyof. Donc, plaisir pour moi. Aussi, je suis un parrain aussi timide parce que je suis un peu plus d'abord, je suis un peu plus Rendez-vous est pris donc le dimanche 9 août à 8h30 au United Stadium, un terrain qui se trouve à la zone B derrière le lycée Blaise Diagne. Merci à Mamadou Diallo, merci à Cheikh Sidi, comme je vous le disais, entraîneur respectif de zone désignée donc sur le calendrier. Évidemment, chaque zone a également un parrain. Hélène Dior d'Ordadienak, petit premier numéro, petit pelé, nga xamanteni war nañ ko dor. Ci week-end du 8 et 9 août, fofu nak di ngeen gis lu bari pré-sélection ni mu démé, ngeen gis aussi les premières rencontres entre les différentes équipes, et là vous allez vous rendre compte que le niveau n'est pas mal et que la détection a été bien faite par les formateurs, et on espère également que du côté des entraîneurs on apportera cette petite touche tactique et cette petite touche mentale. Voilà, donc le tirage au sort du petit pelé, c'est fini. On va vous récapituler bien sûr le tableau des rencontres. Rendez-vous est pris très prochainement sur les antennes de la TFM. Réumi, il n'y a pas de bok. Mais Réumi, il n'y a pas de bok. Il y a un rôle de la jeunesse. Il y a un rôle de la jeunesse. Puisque les plus nuits d'EF, il y a un rôle de la jeunesse au centre. Puisque plus de 60% de la population, il y a un rôle de la jeunesse. Il y a un rôle de la jeunesse. Pour faire une cible, il y a une émission. Il y a un rôle pour faire qu'un tel développement réuni, moi nous sommes, moi Andergien, c'est émission bi pour Andergali, nous sommes les seuls réels, ben là, des gens qui ont commencé à faire le lac.